Alors pour info, elle était concurrente en choc frontal avec la Porsche 911S, mais avait quand même un prix qui était 3 fois inférieur, ce qui pouvait expliquer le succès de cette auto. Le volume d'ailleurs des ventes de l'époque s'en est nettement ressenti, puisque la Capri n'a rien d'une sportive à rabais. Je vous le disais, rares sont les Capri, 2600 RS de nos jours, surtout en bon état comme vous la voyez là. Vous avez de la chance de voir ce modèle préparé comme c'est le cas ici. Certaines d'ailleurs ont bénéficié d'une préparation dans les règles de l'art. Et ne déroge en rien à l'authenticité du modèle. Capri 1981, deuxième participation pour cette Ford Capri 1600 SM43 de 1981. Au look RS, sortie de garage en 2011 avec beaucoup de travaux, moteur, carrosserie, etc. Avec une restauration partielle jusqu'en 2013. Et une petite préparation moteur à braquage. Carburateur VVR 38-40 double corps.